Régis Suette, merci de nous accorder un moment sur Cavadéos. Vous êtes président de la commission chaud de l'ACA, Association du Cheval Arabe Français. Donc quelle est l'actualité 2014 pour l'ACA ? 2014 a été une année intéressante à bien des égards, parce que au niveau du chaud, le calendrier avait été réaménagé autour de concours nationaux et internationaux. Ce qui a permis quand même d'avoir un nombre satisfaisant de participants sur ces différents concours. Et puis surtout, pour ce qui concerne l'ACA directement, qui organise le championnat de France, on a eu cette année un nombre d'engagements qu'on n'avait pas atteint depuis plus de 10 ans, avec 85 chevaux sur les classes EKO, plus une vingtaine de foals. Donc c'est quand même extrêmement satisfaisant dans un marché qui reste un petit peu compliqué en France. On voit quand même que les gens sont mobilisés pour l'événement national, et ça c'est quand même très satisfaisant pour nous. Après, malheureusement, sur le pendant du championnat de France de modèles et allures, qui est la finale des jeunes chevaux à Uzès, qui avait lieu au mois d'octobre, l'événement a dû être annulé au regard des intempéries terribles qui ont touché le sud-est de la France. Que là, il y avait à peu près 750 chevaux inscrits dans les différentes catégories. Voilà. Sinon, les axes de travail de l'ACA. Cette année, pour la première année, nous avions mis aussi en place un championnat de France amateur, donc réservé aux présentateurs non professionnels, avec 5 épreuves qualificatives, une méthode de notation qui nous est propre, qui se voulait à la fois une méthode de jugement plus intrinsèque, c'est-à-dire qu'on jugeait le cheval vraiment par rapport à ce qu'il est, et non pas comme on le fait sur les concours EKO, avec une notation qui est quand même un petit peu pondérée au regard du niveau de chaque classe. Et en décortiquant davantage les chevaux, avec plus de critères, une dizaine de critères de notation, de façon à faire de ces épreuves pour les amateurs aussi quelque chose de plus pédagogique, qui expliquait également pourquoi on attribuait telle note pour tel critère. Voilà. Donc la finale de ce championnat de France amateur a aussi eu lieu à Pompadour le 22 août dernier, avec à peu près 25 chevaux finalistes. Et ce championnat de France amateur portait également une bonne partie de l'argent reversé aux éleveurs au titre du programme d'élevage. Voilà. Alors Régis, quels sont les grands projets pour 2015 ? Alors, on va dire que le grand projet, la grande nouveauté pour 2015, comme il faut le rappeler, l'ACA est l'association française du cheval arabe et du demi-saint arabe. Le livre du demi-saint arabe, pardon, a été créé il y a quelques années pour des chevaux, bien entendu, à orientation endurance. Le conseil d'administration de l'ACA, qui est présidé par François Adjé, est très teinté par des professionnels de l'endurance. Après, il y a deux administrateurs plus orientés chevaux, qui sont Catel, Lucas, Durat de la Châtaignière et moi-même. L'idée quand même est de s'appuyer sur le très haut niveau des chevaux d'endurance français, notamment bien entendu des chevaux arabes d'endurance français, et de revenir, non pas à un label du cheval d'endurance français, quoique ça sera peut-être une deuxième étape, mais de valoriser les chevaux de sport, les purs arabes de sport, d'abord sur leur performance sportive, mais en même temps en incitant les éleveurs à revenir à la source avec des chevaux arabes de sport qui vont présenter des caractéristiques typiques de la race. Ce qui nous amène à ce projet 2015 qui va être le championnat de France du cheval arabe bon et beau. Le principe en deux mots serait une finale, un championnat de France du cheval arabe bon et beau à Pompadour, parallèlement au
championnat de France de modèles et allures. Les qualifications pour les 5 ans et pour les 6 ans, là je parle toujours entre guillemets puisque le projet n'est pas encore complètement finalisé, seraient une base de qualification sur discipline sportive, à savoir l'endurance bien sûr, sur la base d'une 60 km par exemple pour les 5 ans et d'une 90 km pour les 6 ans, mais également pour les chevaux arabes qui sortent en saut d'obstacle sur le circuit FFE, de les qualifier sur la base de tours sans faute, par exemple à 5 ans sur les 95 et à 6 ans sur les 105. Voilà. Et donc tous les chevaux qui auraient réussi à se qualifier seraient invités à la finale championnat de France de ce cheval arabe bon et beau à Pompadour, où là ensuite ils seraient départagés pour attribuer le titre de champion de France, vice-champion de France et médaille de bronze sur les bases de critères de race, donc essentiellement du type. Régis Huet, on en revient au contexte dans lequel nous nous trouvons, à savoir le championnat du monde. Quelle est la place actuellement du cheval arabe français dans la compétition internationale? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une domination des pays du Golfe qui est assez écrasante. Oui, domination écrasante et somme toute assez logique. Je dirais, les choses ont énormément évolué ces 10 dernières années. On a connu ici à Paris, parce qu'on a quand même cette chance exceptionnelle d'avoir depuis le championnat du monde du pur sang arabe en France, à Paris, dans le cadre de ce salon du cheval. À une époque, les pays du Golfe venaient un peu faire leurs courses ici au championnat du monde, donc ce qui était un moyen pour les éleveurs de faire des résultats à Paris et de vendre leurs meilleurs chevaux. Aujourd'hui, les choses se sont énormément accélérées. Il y a beaucoup d'intervenants et beaucoup d'intermédiaires sur ce marché du cheval arabe de chaux, ce qui veut dire que les chevaux sont achetés de plus en plus tôt. Je ne parle pas des achats in utero, mais même des fois, quand les poulains naissent, il y a beaucoup de chevaux qui sont achetés très jeunes. Et sur le lot, bien entendu, il y en a qui confirment. Et ce qui explique pourquoi aujourd'hui, ces écuries qui se sont également beaucoup développées en termes d'intervenants, trustent la plupart des titres sur les grosses compétitions internationales. Mais au-delà de ça, il y a également des pays du Golfe qui sont des terres d'élevage, qui ont investi dans les géniteurs, qui ont investi également sur des managers européens et qui élèvent en direct, avec évidemment beaucoup de réussite au regard de la qualité génétique dans laquelle ils ont investi en amont. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai que ça peut quand même créer une compétition, même si pour les éleveurs, notamment français aujourd'hui, pouvoir sortir, comme on l'a fait il y a quelques années, des chevaux qui vont pouvoir gagner ici à Paris, ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, et on s'aperçoit que cette année, parmi les 10-12 chevaux français qui ont été inscrits à Paris, on relève quand même une belle qualité, avec notamment une jument qui est née en France, Kinshasa Jia, qui a totalisé 91,6 points si ma mémoire est bonne, ce qui est quand même ici un résultat très élevé. Elle est 5e de classe bien entendu, mais aujourd'hui rentrer dans le top 5 à Paris, c'est déjà une très belle récompense pour un éleveur. Alors Régis, encore un petit mot sur la remise des prix qui a eu lieu hier dans le cadre de cette deuxième journée du championnat du monde, la remise des prix de la Coupe de France. Oui, effectivement, alors la Coupe de France est une compétition franco-française comme son nom l'indique. Sur la base d'une cagnotte et d'un système mutualiste, c'est-à-dire que tous les organisateurs de concours internationaux qui se déroulent en France
abonde un fonds qui est à peu près d'un total de 10 000 euros. Sur chaque concours international, les chevaux français de propriétaires membres de l'ACA marquent des points jusqu'au championnat du monde. Et donc, dans le cas de ce championnat du monde, les points sont totalisés et les 4 chevaux qui ont totalisé le plus grand nombre de points sur la base de leurs 4 meilleurs résultats de l'année sont récompensés et par l'ACA et indirectement par tous les organisateurs de concours en touchant un chèque qui est chaque année entre 2200 et 2500 euros. Régis Suette, merci infiniment de toutes ces informations. Évidemment, on ne manquera pas de suivre l'actualité de l'ACA dans l'année 2015 parce que vous semblez avoir des projets particulièrement intéressants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice, pour être là chaque année au championnat du monde et à très bientôt.